So the message I have today n'est pas un message qui va nous faire des guili-guili. It's not a word which will make us feel like this. Mais un message peut-être qui va faire en sorte qu'à la fin du message, plus personne ne va m'aimer. And perhaps this word, at the end of this day, you will not love me anymore. Donc je profite de votre amour avant le message. So I'm receiving your love before the word, so. Parce que certainement après le message, personne ne voudra même me dire bonjour. Because perhaps after the message, nobody will want to say hello to me. Et comme je sais que je suis dans ma famille, and I know I'm avec des chrétiens, with my family, with Christians, donc je sais que vous allez m'aimer de toute façon. I know you will love me, whatever I will say now. Ce qui sort du pulpit. Whatever will be shared from here, from the pulpit. En fait, aujourd'hui, c'est un peu comme une opération. Today is like a sort of operation. Une opération à cœur ouvert. Open heart operation. Où on va ouvrir les cœurs. We'll open the hearts. Et on va retirer tout ce qui nous empêche d'être la personne. And we will take out everything which prevents us from being the person the Lord wants us to be. Mais avant chaque opération, on va opérer une anesthésie. But before any operation, you need to take some anesthesist. Oui. Anesthesia. Thank you. Vous savez quand par exemple même quand vous allez faire une prise de sang. Even when you have a blood. L'infirmière ou l'infirmier. L'infirmière ou l'infirmier. The nurse. Thank you. The nurse comes. Yes. Elle passe un coton. And she put some cotton here, you know, voilà, on the un peu préparer la peau. To prepare the et un peu the skin. Pour vous endormir pour and le moment où you get a bit of sleep when poop, she will with a syringe. She en will. En même temps, c'est important parce que ça désinfecte quand même. C'est pas because simplement pour mettre vos pensées autre part. Yeah, it's not just to make a diversion, you know, make you think something else. Mais c'est important de désinfecter un peu. It's important just to get rid of all the virus before. Donc voilà, donc le titre de mon message. So the title of my message. You will understand why you need to put some things before. Se résume en trois mots. So the summary will be in three words. D'abord, mentalité, la mentalité. First of all, the mentality. On dit oula. Oh. Ensuite, le deuxième mot, c'est disciple. Second word, disciple. Et si ça ne suffisait pas, j'ai mis un troisième mot, responsable. And even if it was not enough, I put a third word, which is responsible. Donc le titre du message. So the title of my message. C'est la mentalité du disciple responsable. It's the mentality of the disciple who is responsible. Donc ça va, vous voyez un peu le cadre. You see the frame. Trois mots, disciple, responsable et mentalité. So disciple, responsible and mentality. Tout d'abord, nous allons aller dans l'un de mes versets préférés. First of all, I would like to share with you one of my favorite verses. Je sais que vous aimez aussi ce verset. I know you like it as well. C'est Psaume 139, verset 14. So the Psalm 139, verse 14. Bon, ça, c'est la petite anesthésie. That's the anesthesia right now. Mais qui est la vérité aussi. Which is the truth. Et des fois, ça peut être quelque chose de solide pour certains d'entre nous qui ne réalisons pas la valeur que nous avons. And sometimes it's a very good word, you know, to realize how important we are. Psaume 139, verset 14, nous dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Tes œuvres sont admirables. Oh là là, je suis admirable. Wonderful are your works. Tu es admirable. You are wonderful. Et mon âme le reconnaît bien. And my soul knows it very well. Amen. Je suis une créature merveilleuse. I am a wonderful creature. Tu es une créature merveilleuse. And you are a wonderful creature. Et c'est Dieu qui le dit. And that's God who says it. Amen. Même si toi tu n'y crois pas. Even though if you don't believe it. Même si les gens autour de toi n'y croient pas. And even the people surrounding you do not believe it. The truth is. C'est que tu es une créature merveilleuse. You are a wonderful creature. Une œuvre admirable. A wonderful work of God. Le chef-d'œuvre de Dieu. The masterpiece of God. Et tu dois le croire. And you have to believe it. Amen. Amen. Donc tout d'abord, nous devons avoir cette assurance que Dieu a fait de chacun de ses enfants une personne de grande valeur. First of all, we need to be sure in our heart that God made us a wonderful creature and a child of God. Une personne de grande valeur et une personne unique. And a person of great value and a unique person. Douée de dons et de talents. Gifted with various talents and gifts. Pour apporter une expression du ciel sur la terre. To manifest and show the heaven on earth.
Je parle de toi. I'm talking about you. Hello. Donc Dieu a fait de chacun d'entre nous une personne de grande valeur, so, une personne amen. Unique. So the Lord made us put a great value in us, and we are unique. Doués de dons et de capacités. And gifted by gifts and abilities. Pour que la planète Terre. So that the Earth, yes. Voit l'expression. Just see the expression of heaven dans ta vie. In your life. La beauté. The beauty. La perfection. And the perfection. L'excellence. Excellence. C'est ce que tu es. That's what you are. Amen. Deuxièmement, donc si ça ne suffisait pas. So second point, if it was not enough. On va rajouter une petite dose de. We're going to add something. Pour ouvrir après, vous comprenez bien. Before we open the hand. Il est dit comme sa divine puissance. So it is said in 2 Peter 1, okay. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Okay. In 2 Peter 1 verse 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Through the knowledge of him who called us to his own glory and excellence. Donc non seulement Dieu nous a valorisés. So God has put value on us. Donc non seulement Dieu a décrété que nous avions de la valeur. He has decreed that we had value. Mais en plus la Bible dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. But he gave us as well everything which will help us to live in a godly way. Il nous a tout donné pour que notre vie en d'autres termes soit une réussite. He gave us everything so that our life will be a success. Wow. Wow. Mais ne serait-ce que cela, on peut retourner à la maison. That's already enough. We can go home like this with that. Je sais que je suis un chef-d'œuvre de Dieu. I know that I'm a masterpiece of God. Et je sais qu'en plus Dieu m'a donné tout ce qui contribue à ma vie et à la piété pour que ma vie soit une réussite. And I know that God gave me everything to my life so that I can live a life a godly way and so that my life may count and impact people. Et donc si je vais un peu plus loin, if I go a bit further, si je veux connaître un peu le prix de ma vie, la valeur. If I want to understand better the price and the value that God, la valeur avec laquelle Dieu m'a estimé, the value that God valued me. Mm-hmm. Dieu a fait tout ce qui était le plus difficile. So God actually did the most difficult part. Pour valoriser ma vie et faire en sorte que ma vie ait du succès. Il a fait tout le boulot. He did all the work to give me the real value in my life. La grosse partie. The biggest part. La partie la plus importante. The most important part. La partie qui coûte le plus. The most which has the highest price. Et cette partie, il l'a manifestée, il l'a concrétisée dans le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur. And this part was through the sacrifice of Jesus Christ, our Lord. Donc si je veux connaître ma valeur, if I want to understand my value, si je veux connaître à quel point Dieu m'a estimé, if I want to understand what the price to God's eyes, je ne dois pas écouter ce que le monde dit de moi, I don't have to listen to what the world is saying même about pas me, ce que mon entourage dit de moi, even the people around me say about mais ce me, que Dieu dit de moi, but what the Lord is saying me about me. Et son langage, je le vois sur la croix. And his language, I can see it on the cross. Je vois à quel point il m'a aimé, à quel point il m'a estimé, à quel point il m'a valorisé. And I see how much he loved me, how much he put value on me. Par le prix qu'il a payé sur la croix. Through pour the price he actually paid for each one of us on the cross. Ma valeur. My value. C'est le prix du sang de Jésus. It's the price of the blood of le Jesus. Prix de son sacrifice. It's the price of his sacrifice. Il n'y a rien de plus précieux. Nothing is more worthy, precious. Il n'y a rien de plus cher. Nothing is more dear. Il n'y a rien de plus de plus grande valeur. Nothing is dearer than this. Que le sang. Précieux de Jésus. Than the precious blood of Jesus. Écoutez bien. Listen carefully. Si j'étais la seule personne, if I was the only person, qui avait besoin de salut, qui avait besoin d'être racheté, who needed salvation, who needed to be redeemed, Jésus serait mort pour moi. Jesus would have died si for me. Si tu étais la seule personne, if you were the only person, qui avait besoin de salut, who needed salvation, Dieu t'a tellement estimé à un grand prix. God put such a high value on you that Jesus toi. Would have died for you.
Donc ça, ça suffit à ne pas faire de ma vie n'importe quoi. So that's a reason enough not to do anything stupid in my life. Ça, ça suffit à faire en sorte que ma vie compte pour quelque chose. It's enough to just to understand that my life is actually et worth living. Et que ma vie soit une réponse. And that my life may be an answer. À l'amour que Jésus a eu pour moi sur la to croix. To the love Jesus had on the cross for dans me. Dans tout ce que je pense. In everything I'm thinking. Dans tout ce que je fais. Everything I'm doing. Dans tout ce que je dis. Everything I'm saying. Et dans tout mon comportement. And all my behavior, que toutes ces choses that all those things soient une réponse may be an answer to his love that the love Jesus had on the cross for me. Amen. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec ces deux déclarations? So do you agree with these two statements? C'est-à-dire que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu? First one, I have value to God's eyes. I'm his masterpiece. Quand je dis je suis, ça veut dire que toi tu dis je when suis. When I say I am, you say okay. I am. Je ne suis pas tellement en manque de I'm not, okay. Dites que je suis. It's not me, it's OK, il s'agit else. De toi. You. OK. OK. Donc Dieu t'a estimé. God put donc, value d'accord on avec you. Ça, yes. Avec une grande valeur. A high price. Ensuite, il t'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété pour que ta vie soit une vie de succès. And then he gave you everything in your life so that you may lead a life, a successful life. Donc, tout le monde est d'accord avec everything ces deux affirmations? Do you agree with all two statements? Yes. Okay. Donc je vais poser beaucoup de questions pendant ce message. I'm going to put many questions during this message. Donc maintenant que vous êtes prêts? Are you ready? On ouvre. So that we will open now, yeah? Vous êtes prêts? I'm ready. Question. Question now. La vie que tu vis aujourd'hui. The life you have today. Il y en a, ils savent où je veux en venir. Some know already where I'm going. Je vois l'expression sur le visage. I see the faces. Reflète-t-elle tout ce que Dieu a prévu pour toi? Is it a reflection of everything God actually has intended for you? C'est-à-dire être tout ce que Dieu a prévu que tu sois. It means be everything the Lord has intended you to be. Et avoir tout ce que Dieu a pourvu. And to have everything the Lord has supplied, provided for you for your life. Afin que ta vie l'honore. So that your life may be honoring him and rejoicing his heart. Ouh, là, c'est calme tout d'un coup. It's very quiet. Vous voulez que je relise ou you want me to read it again? Or is that enough? Okay. Je pars, on va ouvrir, mais tout doucement. Okay. We'll open it slowly. Si ce n'est pas le cas. If it's not the case. Un petit peu d'oxygène. Some oxygen. Suis-je au moins avec cette mentalité de disciple? Do I have at least this mentality of disciple? Suis-je dans ce processus de transformation et de changement? Am I walking this transformation process? Conduit par le Saint-Esprit. Led by the Holy Spirit. Suis-je sur ce chemin étroit? Am I on this narrow way? Pour devenir l'homme et la femme que Dieu a prévu que je sois. To become this man and woman that the Lord is actually intending me to be. Ça va un peu mieux? Are you okay? Okay. Si je suis pas tout ce que tu dis que je dois être et que j'ai pas tout ce que tu dis que je dois avoir. Okay. If I'm not already everything I need to be and I don't have everything you say I need to have, at least I'm on the way. Au moins je peux dire que je suis en chemin. I'm on the way. D'accord, que j'ai cette mentalité de disciple. At least I have this mentality of disciple. Et rappelez-vous le titre de mon message. So remember the title of my message is. La mentalité du disciple responsable. The mentality of the disciple who is responsible. Où suis-je sur le chemin large? Or am I walking on the broad path? Donc rappelez-vous, est-ce que je suis dans le processus de changement? So remember, am I walking in this process ou alors, of change? Suis-je sur le chemin large avec la majorité des gens? Walking on the broad way with the majority of people? Qui ont choisi de se laisser aller? I actually chose to just let it go. Et de se laisser porter par le vent, let it go by the wind, you know, like a leaf. Porté par les circonstances de la vie. Carried, you know, by the circumstances avec of life. Avec une mentalité de victime. With a mentality of victim. Qui va droit dans le mur. And you go straight to the et qui the wall and explodes. Bon, c'est pas très. C'est bien ouvert là. Heart is open, yeah. OK. La plus grande puissance
de Dieu. Vous connaissez ce, à chaque fois, souvent je cite cette citation. So I say this often, the biggest power of God. La plus grande puissance de Dieu. The biggest power of God. C'est l'amour. Is love. La plus grande puissance du diable. And the biggest power of the devil. C'est le mensonge. Is lie. La plus grande puissance d'un être humain. And the biggest power of a human being. C'est le choix. Is the free will, the choice. Amen. Dieu nous a donné ce libre arbitre, ce choix. The Lord gave us his free will. Donc si je ne suis pas encore ce que Dieu a prévu que je sois, si je n'ai pas tout ce que Dieu a prévu que j'ai. So if I'm not still the person the Lord wanted me to be, or I don't have yet everything the Lord wanted me to have. Et si je n'ai pas cette mentalité de disciple, mais que j'ai cette mentalité de victime. But if I don't have this mentality of disciple, but I have a mentality of victim. Aujourd'hui. Today. Je peux choisir. I can choose. De me débarrasser de cette mentalité de victime. To get rid of this mentality of victim. Et de prendre la mentalité du disciple. And to embrace the mentality of disciple. Du disciple responsable. Of this responsible disciple. Romains chapitre 8 verset 14 nous dit. So Romans 8 verse 14 says. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude ou un esprit de victime. For you do not have not received a spirit of slavery or victim. Am I talking to somebody? Pour être encore dans la crainte. To fall back into fear. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. But you have received the spirit of adoption. Par lequel nous crions Papa, Abba. As sons, by whom we cry, Abba, Father. Car l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. The Spirit himself bears witness with our spirit. Que nous sommes enfants de Dieu. That we are children of God. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. If we children then heirs. De Dieu. Heirs of God. Et co-héritiers de Christ. And fellow heirs with Christ. Donc, comment puis-je avoir cette mentalité de victime? How can I still have this mentality of victim? Je dois revêtir la mentalité du disciple. I have to embrace this mentality of disciple. La mentalité du disciple responsable. This mentality of the disciple who is responsible. La mentalité du fils et de la fille de Dieu. The mentality of the son and daughter of God. Il est dit ici, si toutefois nous souffrons avec lui. Oula. Provided we suffer with him. Attends, jusqu'à là ça allait. Okay, tonight it's well, okay. You say mentality of disciple, okay, que fine. Dieu est mon papa. Tu parles de souffrance. But now you are talking about suffering. J'aime pas trop ça. I don't like it so much. Mais ce qui est bien, c'est que ça ne s'arrête pas là. But that's not the end of it. Si toutefois nous souffrons avec lui. Provided we suffer with him. Afin d'être glorifiés aussi avec lui. In order that we may also be glorified with him. Ça veut dire quoi? What does it mean? Ça veut dire que dans la vie du disciple. It means that in the disciple's life. Dans la vie du disciple de Jésus-Christ. In the disciple's life of Jesus. D'avoir même cette mentalité de disciple. To get this mentality of disciple. Ça peut amener dans un certain sens de la souffrance. It can bring suffering with it. Ça veut dire que c'est pas facile. It means it's not easy. C'est pas facile d'avoir cette mentalité de disciple. It's not easy to get this mentality of disciple. Encore moins d'avoir cette mentalité de disciple. Responsable. And even more to get this mentality of a disciple who is responsible. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça paye toujours. But the good news means there is always a reward. C'est pas facile d'être sur le chemin étroit. It's not easy to be on the narrow path. Il y a de l'opposition. You have hurdles and opposition combat. And battle fights. Il y a de la souffrance. Suffering. Mais à la fin, on a notre récompense. But at the end, we have our reward. C'est très facile d'être sur le chemin large. It's very easy to be on the broad path. D'avoir cette mentalité de victime. Oh, to c'est have pas this ma mentality faute. Of victim. Oh, it's not my fault. C'est la faute du gouvernement. It's the fault of the government. C'est la faute de mes poissons rouges. Of my red c'est fishes. C'est la faute de mon hamster. Of my hamster. Mais c'est pas de ma faute. It's not my fault anyway. Donc c'est très facile. It's very easy. Mais l'issue est dramatique. But the end of it is tragic. Car on va nulle part. But we go nowhere. On va droit dans le mur avec cette mentalité. Straight into the wall. Et il y a rien qui change. And nothing will change. Aujourd'hui, je peux choisir. So today I can choose.
de décider de ne plus jamais être une victime. To decide to never be again a victim. De plus jamais d'avoir cette mentalité de victime. To get rid of this mentality of victim. Mais d'avoir cette mentalité du disciple. But to get this mentality of the disciple who is responsible. Je peux décider d'être conduit par l'Esprit de Dieu. I can decide to be led by the Spirit of God. Et de laisser le Saint-Esprit témoigner que je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. And let the Holy Spirit telling to my spirit, I am a child of God. Quelle que soit l'opposition. And whatever the opposition I may meet. Je sais que je vais gagner. I know I will win. Que je suis plus que vainqueur. I'm more than a conqueror. Et que l'opposition. And that the opposition I may have. Est quelque chose qui va m'aider à grandir. It's something actually which will help me to grow. Je ne vais pas regarder l'opposition et l'adversité en disant oh là là qu'est-ce qui m'arrive. I don't want to look at the trials and opposition and say oh what on earth is happening here. Mais je veux regarder l'opposition, l'adversité. But I want to look at the trials and opposition. Comme une opportunité. Like an opportunity. À grandir. To grow. Et à croître. To grow. Et à devenir. And ce to que become Dieu veut que je sois. What the Lord wanted me to be. Amen. Amen. Tout est une question de mentalité. Everything is a question of mentality. Tout est une question de la façon dont tu vas voir les choses. It's just a question of the way you are looking at things. Amen. Amen. En tant que disciple, ai-je choisi une voie facile? So as a disciple, have I chosen an easy way? Non, pas of du tout. No. Comme je vous disais, la voie n'est pas facile. As I told you, the way, the path is not easy. Mais c'est la voie la plus profitable. But the most profitable path. Amen. C'est la voie que Dieu a choisie. It's the path the Lord has chosen. Pour que je devienne l'homme et la femme. So that I may become the man and woman he has before him. Question. I have a question. Pourquoi? Alors c'est une question qui va peut-être déranger. So question perhaps may will Mais be bother you. Question. It's a good question anyway. Parce que je suis sûr que vous vous êtes déjà posé cette question même dans le secret de votre cœur. I'm sure you probably ask yourself this question deep Peut-être in your heart. Peut-être pas ouvertement à l'église Perhaps parce not que open, voilà, on pose you pas know, ce genre de questions because we don't ask this type of question in church. Ah, si on pose ce genre de questions à l'église, si on veut avancer. Yes, we have to ask this question in church. Question? You know this question? Pourquoi y a-t-il un tel décalage entre ce que Dieu dit dans sa parole et ce que je vis au quotidien. Why is there such a gap between what God is telling me in the Word and what I'm living on my everyday life? Est-ce que c'est une bonne question? Is that a good question? Mm. Mm. C'est une bonne question. Ok. À la semaine prochaine, au revoir. So see you next week. Mais on veut connaître la réponse, bien sûr. We want to know the answer, obviously. C'est bien d'avoir les It's good les to have the question, but. Mais on veut la réponse. We want to know the answer now, okay. Parce que je t'avoue, pasteur, je me suis déjà posé la question. Okay, I confess, pastor, I asked myself this question already. Quand je lis la Bible, when I read the Bible, que je vois toutes ces merveilles, and when I saw all these marvelous things, et quand je vois ma vie, and when I watch and see my life, je dis, mais qu'est-ce qui va pas? I say, what's happening? What is wrong with me? Rassure-toi, tout va bien. Everything is okay. Tout est une question de mentalité. Everything is a question of mentality. Alors rappelez-vous le titre de mon message, c'est Remember the title of my message is Ouais. Oui. Elle a dit Ruby. She did right. Okay. La mentalité the mentality du disciple of the disciple responsable. Who is responsible. Il n'y en a qu'une qui suit. Only one is following us. Hein? Merci Ruby. Je, Thank je you Ruby. Ruby. Donc je pourrais formuler la question que je viens de vous poser, pourquoi y a-t-il un tel décalage entre ce que Dieu dit et ce que je vis? Je vais la reformuler différemment. I will rephrase my question in a different way. Okay. Et je suis sûr que tu t'es posé déjà cette question. And I'm sure again you probably ask yourself this question as well. Mais qui est responsable de l'état de ma vie? But who is responsible of the state, you know, of my life? On ne va pas répondre trop vite quand même. No, don't answer too quickly, please. Il y en a qu'une qui est branchée, bien branchée. One is really connected here. Mais pour ceux qui ne sont pas convaincus et qui n'ont pas entendu la réponse de Ruby, for those who didn't listen to what Ruby said, on va essayer de passer toutes les
personnes qui sont susceptibles d'être responsables. We're going to see everybody, you know, the person who might be responsible de la direction qu'a pris ma vie. For the direction that my life actually took. Alors restez avec moi. So stay with me. Je suis suffisamment intelligent. So I'm smart enough. Pour enlever la responsabilité, cette responsabilité à Dieu. To get rid of this responsibility, it does not belong to God. It's not this. Si j'ai la vie que j'ai, c'est pas la faute de Dieu. If I have my life, it's not God's fault. S'il y a des dysfonctionnements dans ma vie, c'est pas la faute de Dieu. The dysfunctionings in my life is not God's fault. You agree with me? Yeah. Mais il y a, on va donc on met Dieu à part. Donc God is on the side, okay. Mais il y a un responsable que j'aime bien quand même. But there is one person who is responsible I like. Qui m'arrange bien. Who really le fits diable. Me, the devil. Si ma vie escalée, c'est la faute du diable. If c'est my lui life responsable. Is as it is, it's because of the devil. He's the one who is, you know. Ah. Hmm. Le diable m'attaque. The devil is attacking me. Les sorciers et les sorcières sont plus puissants. The sorcerers are more powerful. Et m'empêchent d'être la personne que je dois and être. And prevents me from being the person I need to be. Le diable m'attaque. The devil is attacking me. Bon, on va arrêter les bêtises. Stop with this nonsense. Et on va retourner dans la parole de Dieu. And we are going back to the word of God. Qui dit que Dieu m'a donné le pouvoir. The Lord said that de marcher he gave me the power to walk on serpents and scorpions and all the power of the enemy and nothing can harm me. Amen. Non, mais je l'ai dit en même temps. Ah, ok. You want me to repeat? Vous avez entendu les anglophones? Non, c'était... Ok, on va recommencer. Ok, vas-y, Fabienne. So the word said that the Lord has given us the power to walk on all the power on serpents and scorpions and on all the power of the enemy. Amen. 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 Et si le diable oublie qui tu es? And if the devil forgets who you are? Et qu'il par oubli de qui tu es, il t'attaque quand même. And he forgets who you are and he's attacking you. La Bible dit, the Bible says, résistez au diable avec une foi ferme. Resist the devil with a firm and steady faith. Et il fuira loin de vous avec terreur. And he will flee away with trembling and terror. Le diable n'a pas été envoyé sur terre pour t'attaquer. The devil wasn't sent to earth to attack you. Il a été envoyé sur terre pour que toi tu l'attaques. He was sent to earth so that you attack him. Que tu lui résistes et qu'il fuit loin de toi avec terreur. And you will resist him and he will flee away from you with terror and trembling. Alors grandissons cet après-midi. So let's grow together. Et laissons le diable à sa place. And let the devil on his. C'est-à-dire sous nos pieds. It means under our feet. Amen. Un ennemi vaincu. It's a defeated enemy. La seule puissance que le diable a contre toi et moi. The only power he has sons and daughters of the Holy God. C'est le mensonge. The lies. C'est tout. That's all. Lorsque tu regardes dans Éphésiens chapitre 6 verset à partir du verset 10. When you look at Ephesians 6 verse 10. Il est dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre les ruses. He said put on all the armor of God so that you may stand firm against all the strategies et même il est dit contre les artifices du diable. And the ruses, sorry. Artifices. All the bad strategies. Yeah, you know what it is. All the un feu d'artifice, ça the fait sneaky beaucoup, ways of the devil. Ça en met plein la vue mais il y a aucune substance. Yeah. The fireworks, you know, it's bling, 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 but there is nothing behind. Vous savez, pendant le 14 juillet, il y a des... Yeah, the 14th of July, there are many fireworks voilà. Everywhere. C'est ça, les armes du diable contre so nous. That's what the devil is, you know, is like this. Donc, okay, on a mis de côté que le diable pouvait nous empêcher okay. D'être another la reason, personne okay, que we Dieu put a prévu. Aside, the devil might not prevent us from being et the person we que need Dieu to be. A prévu que nous ayons. And to get what the Lord wants us to have. Mais on va quand même aller à la chasse aux responsables, parce okay, qu'il faut un responsable quand même. We're still looking for the person who is responsible for quand je vois ma life. Vie, ok, il y a forcément un responsable. When I see my life, okay, there must be one person responsible okay, for it. C'est peut-être des gens que Dieu a mis dans ma vie. Perhaps person in my life around. Qui ont une influence. Who have an influence over me. Donc mes parents. My parents. Mon père, ma mère. My dad and mom. Mon pasteur. My pastor, ça that's a good one, pasteur. This one. Yes, must be him. Le responsable de the responsible de ma vie. For my life.
Ou peut-être ma femme. Or perhaps my wife. Mais comme elle est là, je veux dire non, c'est pas no, pas, because pas she's possible. Here, I'm not going to say seulement it's parce her. Qu'elle est là. Because she's here. Ou mon mari pour les femmes. My husband for the ladies. Alors qu'est-ce que Dieu a prévu dans sa parole pour pouvoir pour les relations humaines? So what did the Lord say in his word about relationships, human relationships? La seule chose que nous devons, c'est de nous aimer les uns les autres. The only thing we have to do is to love one another. Donc mes relations n'ont rien à voir avec la direction que prend ma vie. So my relationships have nothing to do with the direction my life is taking. Alors j'entends quelque chose. So I'm listening to something. Dis, I'm oui, hearing okay, something. Mais tu ne sais pas tout ce que les gens m'ont fait subir. Yeah, but you don't know everything. Tu ne connais pas toutes les blessures. But the things the people actually did to me. Alors écoute bien. So listen to me. Tu n'es pas responsable. You are not responsible. Du dysfonctionnement dans la vie des gens qui t'entourent. Of the dysfunctionings which are in the people's life around you. Tu n'es pas responsable de leur dysfonctionnement. You are not responsible for their dysfunctionings. Mais ces personnes ne sont pas responsables de la direction que prend ta vie. But those persons are not responsible for the direction your life is taking. Hello? Amen. Donc c'est vrai, tu n'es pas responsable de leur dysfonctionnement. It's true, you are not responsible for peut-être the dysfunctionings offenses, of those people de leur or even of their offenses and injuries. Mais ces gens ne sont pas responsables de la direction que prend ta vie. But those people are not responsible for the direction of your life. La seule personne qui est responsable de la direction que prend ta vie. The only person who is actually responsible for the direction of your life. C'est toi. Is you. Amen. Et quelle est la chose qui va faire que je vais utiliser le chemin étroit? And what is the thing which will help me to take the narrow path? Le chemin large. Or the broad path. Ma mentalité. It's my mentality. C'est ma mentalité qui va me diriger vers la défaite. My mentality will lead me to a failure. Et c'est ma mentalité defeat, qui va me diriger vers la victoire. And my mentality will lead me to victory. Et vers la destinée que Dieu a pour and moi. And toward the destiny God has for me. Si je n'aime pas ce que j'ai dans ma vie, if I don't like what I have in my la life, seule chose que je dois changer, c'est ma mentalité. The only thing I have to change is my mentality. Me débarrasser de cette mentalité de disciple, de victime, to get rid of this mentality of victim, et revêtir la mentalité du disciple responsable. And to put on the mentality of the disciple who is responsible. Amen. Amen. Ça veut dire que je peux faire tout ce que Dieu a prévu que je peux faire. It means that I can do everything the Lord has planned me to do. Et je peux être tout ce que Dieu a prévu que je sois. And I can be everything the Lord wanted me to be. Simplement en ayant cette mentalité de disciple. Just by having this mentality of disciple. Et alors, le décalage. And then the gap. Entre les promesses de Dieu, ce que je lis dans la Bible. Between the promises of God I read in the Bible. Et ce que je vis. And what I'm living. Il n'y aura pas cette distorsion, cette incohérence. There will be no longer this gap. Mais il y aura le fait que je suis sur le chemin. There will be only remaining the fact que je suis I'm dans on ce the way, processus de changement. I'm in this process of transformation. Dans ce processus de transformation. This process of transformation. Et alors, il y aura de la joie. And then joy de will la come. Paix. And peace. Parce que je sais que je suis en chemin, que je suis because dans I ce know processus. I'm on the way, I'm in this process. Et je ne serai pas dans ce décalage de frustration. And I will not be anymore in this gap of frustration. Et qui me demande est-ce que Dieu m'aime? And where I was asking myself, toutes ces promesses does de love la Bible sont vraiment me? Pour moi? And all those promises are really for me? Oui, Dieu t'aime. Yes, the Lord is loving you. Oui, toutes ces promesses sont pour toi. Yes, all those promises oui, are for you. Oui, il veut que tu aies une vie abondante. Yes, he wants that you Mais have an abundant life. Changer ta you mentalité. Just change, have to et change your mentality. Mentalité de disciple and have get this mentality of disciple who is responsible. Alors je pourrais vous laisser avec ce message. I could leave you with this, like this. Et vous dire, frères et sœurs. And tell you, brothers and sisters. Soyez bénis. Be blessed. Bonne chance. Good luck. Ayez la mentalité. And just get this mentality of disciple who is responsible. Bye-bye. Bye. Quand même. Mais je vais vous donner des clés quand même. Now I'm going to give you some keys. Vous les voulez, ces clés? Do you want them? La clé est dans le titre. Again, the keys are in the title. Un disciple.
One disciple, par définition, by definition, doit être discipliné. Needs to be disciplined. Tu ne pourras jamais. Est-ce que j'ai dit jamais? You will never. I said never. Jamais. Never. Vivre la vie que Dieu a pour toi. You will be never be able to live the life God has for you. Sans être discipliné dans ta vie. Without being disciplined in your life. Tu ne pourras jamais être discipliné dans ta vie. You will never be able to be disciplined in your life. De façon durable. In a long, on a long term. Si tu n'es pas motivé par une vision qui vient de Dieu. If you are not motivated, driven by a vision coming from God. C'est hyper important ce que je vous dis. Very important what I'm telling you. Si tu n'as pas de quoi écrire, regarde de nouveau sur YouTube. If you don't have everything to be written, but just watch it on the interview. You will never be able to be a success. Que Dieu a prévu que tu sois. That the Lord wants you to be. S'il n'y a pas de discipline dans ta vie. If you have no discipline in your life. Et comme je disais, la discipline, c'est dur. As I said, discipline is hard. Pour qu'elle soit efficace sur le long terme. To have an impact on the, in the long term, and that you may not quit. Tu as besoin d'une bonne vision. You need to have a good vision. Pour te motiver. To get motivated. À continuer à être discipliné. To go on in this process of being disciplined until you reach the vision. Tu as besoin de savoir où tu vas. You need to know where you are going. Pour savoir quoi préparer dans ta vie. To know what to prepare in pour your savoir life. Comment te préparer. And to know how to get prepared. Pour savoir qu'est-ce que tu peux faire. And to know what you can do. Ou ne peux pas faire. Or cannot do. Quelles sont les choses qui vont t'empêcher d'accomplir cette vision. What are the things which will prevent you from accomplishing this vision. Ou au contraire, quelles sont les choses que tu dois faire qui vont te propulser vers cette vision. Or perhaps the things you need to do which will help you to get and reach the vision. Tu as besoin d'une vision. You need a vision. Qui va faire en sorte que tu vas te lever le matin. It will help you to get up in the morning. Will give you a reason to get up in the morning. And you will be passionate and in fire for it. Parce que tu sais où tu vas. Because you know where you are going. Tu connais la direction. You know the direction. Tu sais ce que Dieu a pour ta vie. And you know what God has for your life. Et tu auras une bonne discipline. And you will have a good discipline. Daily discipline to reach this destiny. Et même tu ne t'encombreras pas de choses qui essayent de s'attacher à toi. And you will get rid of the things which wants peut-être to get with peut-être même des bonnes you. Choses. Perhaps even good things. Vous savez, je suis sollicité pour faire des bonnes choses. I'm requested to do good things. Et si ça ne cadre pas avec la vision que Dieu m'a donnée. But if it doesn't fit into finale, the vision God gave finale, me and the final destination ben, he gave non me. À ces choses. I said no to those things. Est-ce que ce que je fais en ce moment dans ma vie. So the things I'm doing right now in my life. Avec là où je vais. Are fitted with the direction I need to go to glorify the Lord. Amen. Et ça t'aide aussi de faire des bons choix. So it helps you to, you know, to choose the right things. La grande puissance de l'homme, c'est son choix. So the biggest power of the man is his free will. Avec une bonne discipline. With a good discipline. Et avec une bonne vision, une bonne destination. And a clear vision and destination. La Bible dit que sans vision, mon peuple est sans frein. Mais je préfère, the la, version, Bible says, je préfère yes. la version anglaise qui dit sans vision, mon peuple périt. Yeah, in English it says, so without a vision, my people perish. Amen. Comment maintenant concrétiser la discipline dans ma vie? So in a very real everyday life, how do I do with the discipline now? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu sais que Dieu t'a appelé à quelque chose. So today, you know, God called you to do something. Tu sais ce que tu veux, la personne que tu veux être pour le Seigneur. And you know the person you want to be for the Lord. Tu sais exactement, où tu vas. And you know exactly where you're going. Et en même temps, tu vois qu'on dirait que c'est une grande montagne, quoi. At the same time, it looks to you like a big mountain. Ça a l'air inatteignable. It looks like it's unattainable. Bon, c'est bien parce que ça veut dire que tu as besoin de Dieu pour atteindre cette montagne. It's good because it means you need God's help to reach that. Et tu as besoin de discipline aussi. And you need discipline as well. Pour pouvoir initier un changement dans ta vie. So to start a change in your life.
pour pouvoir initier un changement de mentalité. And change mentality. Et revêtir cette mentalité du disciple. And put on this, you know, this mentality of disciple responsible. Tu dois poser une action. You need to put an action, to do something. Amen. Tu dois poser une action. To do something, an action. Ne pas partir de l'église en disant, oh, c'est un bon message. Not to go away, so it was a good message today. Et oublier tout ce que j'ai dit. And forget everything I told Sans avoir posé une action. Without having, you know, put something, an action Et to change. Dans cette mentalité de disciple. And to have really grasped and see oui, this mentality of disciple. Yes, there will be suffering. Mais c'est le chemin le plus profitable. But the most profitable way is c'est this le way. Chemin, au bout de chemin, tu entendras Jésus qui te dira, bien. Bon et fidèle serviteur. At the end of the way, the Lord will tell you, good, good servant, come and enter the joy of your Lord. Et tu ne baisseras pas les yeux devant ton Sauveur en disant, quand il te posera la question, qu'est-ce que tu as fait avec les dons et les talents? And you will now put your eyes down and say, what did you qu'est-ce do with the gifts I gave you? When you sur la terre? What did you do with the authority I gave you during your time on earth? Donc pose une action. So Jeff. Decide something Fais real plan. Today. Put a plan. Fais un plan pour ta vie. Decide a plan for your life. Pour le mois qui va passer, les deux prochaines années, les cinq prochaines années. The coming months, the two coming years. Et ce que tu vas atteindre. And what you want to reach. Écris-le. Just write it down. Écris les étapes pour atteindre ce plan. And write down the various steps to reach it. Et tu sais comment il faut faire pour gravir une montagne. And you know how to do to climb a mountain? How we do it? Tu sais comment faire pour gravir you une grande montagne? A big mountain, how to climb on the big mountain? How do we do it? Un pas après l'autre. It one step after the other. Pas après pas. Step after the other. Pas après pas. One step after the other. Donc dans ta vie de disciple. So in your this dans ta vie de life of disciple. Il faut que tu apprennes you have to learn à faire un pas. You have to learn to make quand tu as fait to do un pas, one step when you did one step. Il est important que tu célèbres ce que tu as fait. It's important to rejoice above what que you just did and to encourage yourself. J'ai planifié de faire un premier pas. Oh, I planned to Je do this fait. First step and I did it. Gloire à Dieu. Glory Et ça, to ça va God. Te donner de l'énergie it will pour give faire you strength to make a second step. Et tu sais quoi, même Dieu s'est félicité lorsqu'il a créé le monde. And you know what? Even God said he was happy when he jour, created dit, the earth. C'est bon. The first day he said that's good. Le deuxième jour il a dit c'est bon. Second day he said that's good. Troisième jour il a dit mais c'est bon. And third day he said that's il good. Il a célébré à chaque fois qu'il a fait he rejoiced each time. Un pas par rapport à son plan. Each time he did a step. Et nous devons faire la même chose. And we have to do the same thing. Et le dernier jour lorsque tout était accompli, il a dit ouais, c'est très bon. And the last day where everything was accomplished, Et he said yeah, that's very good. And he did a big celebration. Tu dois apprendre à faire la fête. You have to learn how en to celebrate as a disciple. Pour durer. To go tu and dois apprendre à apprécier les progrès que tu fais. And just appreciate the progress you are making. Quelle que soit la chose, whatever the thing is, un pas après l'autre, one step et after the other, and just rejoice. Ce progrès que tu as fait, this progress you just made, this step you just made as disciple. Si tu as décidé de faire du sport, if you decided to do some sports, planifie le nombre de fois que tu vas faire ton sport. Just write down how many times you will do Commence some sports. Commence à un endroit où tu peux que tu peux atteindre. And start with a level you Peut-être can reach. Peut-être que c'est 10 minutes. Perhaps 10 minutes. Peut-être que c'est même 5 minutes. Perhaps only 5 minutes. Planifie. Just Fais-le. Put down a plan and Et do it. Et quand tu l'as fait, quand tu as posé cette action, and célèbre-le. And when you did it, just rejoice. Félicite-toi. And encourage Et yourself. Et ça va te donner de l'énergie pour faire 15 minutes. And will give you strength to do 15 Amen. Minutes. Amen. Dieu nous a donné. God gave us. Contribue. Everything à which. À la vie et à la piété. Help us in our life. La seule chose que nous, dont nous avons besoin. So the only thing we need. C'est d'avoir cette mentalité. Is to get this mentality of disciple, who is responsible. Et alors notre vie ne sera plus jamais, jamais. And then our life will never, never, never be the same. Que ça soit au niveau familial. In our family. Que ça soit au niveau area, professionnel. The professional life. Que ça soit en tant que citoyen. Or like a normal citizen. Tu es responsable. You are responsible. Tu es responsable même de ce que tu gagnes. Even you are responsible of what you're earning. Je vais terminer avec une histoire. I want to end with a story. Que j'ai entendu, que je trouve extraordinaire et qui a changé ma mentalité par rapport à mon salaire et par rapport à ce que Something I heard which just totally changed my way of thinking about my salary. Comment je veux dire la chose? How shall I tell you that?
Est-ce que l'entreprise dans laquelle tu es is the company you are working with te paye te paye selon ce que, comment dire la chose. Non, c'est pas ça que je veux dire. Est-ce que l'entreprise te paye au maximum de ce qu'elle peut te payer? That the company you're working with at the max, the level maximum to what the company can pay you. Si par exemple l'entreprise te dit OK, tu as un entretien? Okay, you have an interview in a company. Et dans cet entretien, la personne te dit OK, vous allez gagner 3000 euros par mois. And the person said okay, you will earn 3000 euros per month. Est-ce que tu penses que c'est le maximum que l'entreprise peut te donner? Do you think that the maximum that this company can give you? Peut-être par rapport au poste, oui. Perhaps depending on the job. Mais c'est pas le maximum qu'elle peut te donner. But it's not the maximum the company can give you. Que faut-il que tu fasses pour que cette entreprise te donne plus? What do you need to do for that this company to give you more? Il faut que tu changes. You need to change. Il faut que tu te formes. You need to get, you know, to get trained. Avoir cette mentalité de disciple. To get this mentality of disciple, okay, who says, okay. Cette entreprise me paye tant pour ce poste. I'm paid as much for this particular job. Et c'est le maximum pour ce poste, mais c'est pas le maximum que l'entreprise peut me donner. It's the maximum for this type of job, but it's not the maximum the company can give et me. Et en tant que ayant cette mentalité de disciple responsable. And then when you have this mentality of disciple, je vais pas responsible, une augmentation. I don't want to beg for a salary increase. Mais je vais faire en sorte que je sois la meilleure personne là où je suis placé. I want to do the best person in my et job position where I am. Mettre de la valeur dans mes compétences. And put the, you know, value on the abilities I have. I will increase my abilities, professional abilities, by training and to be the best employee I can be. Afin que l'entreprise ait envie de ne pas me perdre. So that the company will don't want et quand je want dirais, to lose ben, me. J'ai trouvé un autre travail des matins. And when I say I found another proposez, job, on est capable, on va how much plus do they si give you? I can give you more. Amen. Donc même ton salaire, ce n'est pas l'entreprise qui est responsable de ton salaire. Even the salary is not the company who is actually responsible. It's you. Ouh, gloire à Dieu parce que j'ai maintenant cette mentalité de disciple. Glory to God because now I grasp this mentality of disciple. Je peux changer les choses. I can change the things. La seule façon de changer les choses, c'est que je change moi. And the only way to do it is to get change myself. Alléluia. Si on peut avoir de la musique. Can we have some music? CD parce que j'ai congédié les. A CD because I said everybody to go. Alléluia. Donc, la seule façon pour que ce message n'ait aucun impact sur toi, tu sais comment il faut faire? The only way so that this message will have no impact on you, you know what you need to do? Tu l'entends? You are hearing it? Et tu ne mets pas en pratique. And you don't put it into practice. Mais si tu veux bénéficier de toutes les bienfaits de ce message. But you want to take benefit of all this message. C'est-à-dire de tout ce que Dieu a pour toi. Of everything the Lord has for you. Alors entends et réécoute ce message. So hear it. Et commence à poser des actions. And put some action down. Dans les endroits où tu veux changer. And decide in the way in the areas you want to change. Ça peut être dans le domaine professionnel. It could be in the professional area. Ça peut être dans le domaine même tu, n'importe quel domaine familial. Whatever the area, your family or wherever. Mais pose, commence à poser une action. Decide real and concrete things. Yeah. Hallelujah. On va se lever dans la présence de Dieu et je vous demande may you be est-ce qu'on a des équipiers de prière? Do you have counselors here? Yes. Donc, je demandais aux équipiers de prière de venir me rejoindre. Just the counselors, they may come forward, please. Thank you. Et l'appel à l'autel va s'adresser aux personnes qui veulent qui veulent marquer une action. So the call now is for the person who wants actually to decide something very real, put an action concrete. Tu es peut-être dans cette situation où il y a vraiment un grand décalage entre
les promesses de Dieu et ce que tu es en train de vivre. Perhaps you are living this life where there are promises of God on one side and you what you're living on the other side. There is a gap. Et tu réalises que beaucoup est lié par rapport à la façon que tu vois les choses, par and rapport à ta mentalité. You realize that this gap is due to the fact you have the wrong, incorrect mentality. Je veux me débarrasser de la mentalité de victime. Today you say I want to get rid of this mentality of victim. Et revêtir cette mentalité du disciple responsable. And put on the mentality of this disciple who is responsible. Et je veux que le Seigneur me donne un petit coup de pouce. And I want the Lord to help me in that. Et m'aide à poser une action. And help me to, you know, to decide pour que je rentre pleinement dans cette so vie so that que I may enter pour. Fully in this new life the Lord has for me. Les changements. Donc tu aurais tort de croire que les changements peuvent venir en un instant. So it's wrong to think and believe that the change are coming on one blink of an eye immediately. Certains changements demandent du temps. Some changes request time. Certains changements demandent du courage. And courage. Mais la bonne nouvelle, but the good news is, c'est qu'à chaque changement est profitable. Each change you will take, you will receive pour profit. It will be profitable for you and for the best. L'un des ingrédients du royaume de Dieu, c'est la croissance. One ingredient of the heavenly kingdom is the growth. Soit tu grandis, either you grow, soit tu meurs, or you die. Amen. Donc choisis de grandir. So choose to grow. Et de vivre pleinement cette vie que le Seigneur a mis en place. And to live fully this life the Lord has for you. Vous approchez. You can come forward. Though.